Bonjour à tous, c'est Monaco76, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très particulière les amis. On va direction Monaco pour assister au match en VIP. Vous allez faire tout le voyage avec moi, c'est-à-dire de Rouen, très stressé, j'espère que tout va bien se passer sur la route. On va prendre le train direction Paris, puis le petit Uber jusqu'à l'aéroport d'Orly. Et ensuite, on va filer direction Nice pour passer 2-3 nuits à Nice. Et ensuite, on va aller samedi soir direction Monaco. Je suis vraiment impatient de vous partager tout ça. J'espère que cette vidéo vous plaira. Avant toute chose, le petit pouce les gars, le petit pouce parce que c'est ma première vidéo vlog. Soyez indulgents. J'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous mettra dans l'ambiance. On se dit à tout de suite les loulous. Direction Nice. Actuellement même sur la plage de Nice, voilà, on a parcouru plus de 1200 km pour assister à la rencontre de ce week-end Monaco contre Brest. Donc voilà, je remercie encore l'AS Monaco pour l'invitation et on va passer voilà un premier vlog tous ensemble à la découverte de Nice, à la découverte de l'AS Monaco, du match et aussi un point particulier sur Sorare, puisque ce week-end j'ai présenté une équipe full AS Monaco. Je vais vous la présenter un petit peu après, mais en attendant, on va profiter de cette très belle ville tous ensemble et on va se retrouver tout de suite pour l'aventure en direct donc dans les rues de Nice, puis à l'AS Monaco. Donc c'est parti. Salut les amis, on se retrouve donc pour ce petit débriefing. J'espère que les images de Nice vous auront plu. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. C'est vraiment une très belle ville. Outre le fait que Nice est un grand rival de l'AS Monaco, franchement, j'ai vraiment pris du plaisir à parcourir les rues de cette ville. Vraiment très, très, très jolie.
Dans moins de 3 heures maintenant, on sera du côté de Monaco. Monaco, donc voilà, pour le match contre Brest, contre le Stade Brestois. J'espère vraiment ne pas être un chat noir, les gars, je vous avoue. Je suis un peu stressé. J'ai l'impression que c'est comme si j'allais à un premier date, puisque c'est la première fois pour moi du côté du Louis II. Bon, là, Monaco, je les ai toujours vus à l'extérieur, jamais Louis II. Mais en tout cas, voilà, je sais que j'aurai les frissons. Quoi qu'il arrive, j'aurai les frissons et ça, c'est top. On va passer aussi la soirée accompagné de Sorare, les gars. On va pas lâcher Sorare. J'ai fait une équipe full Ice Monaco. J'espère vraiment que ça pourra déboucher sur une petite récompense sympa pour pimenter la soirée. Après, même, je vous avoue, si on gagne 3-1 et que j'ai un score pourri sur Sorare, franchement, je m'en fous. Mais voilà, j'ai fait une petite équipe sympa. C'est donc parti, les amis, direction la Ice Monaco pour rêver tous ensemble. Même si vous n'êtes pas supporter, moi, les gars, je sais que vous allez vibrer avec moi, les petits potes. Voilà, franchement, je suis vraiment très très stressé et impatient. J'ai l'impression que je vais passer un examen. Donc on se dit à tout de suite les loulous et let's go! Le palais princier, c'est la maison ici les gars. Vue incroyable sur le Louis II. C'est là-bas qu'on va, les amis. Regardez-moi ce stade, c'est juste sublime. C'est incroyable pour moi. C'est vraiment magnifique. Juste incroyable, l'idole de ma jeunesse. En commentaire, les gars, pour ceux qui l'ont reconnu. Arrivée des joueurs sur la pelouse, ça y est, c'est parti pour le match. Grosse émotion, les amis. Très très belle dédicace du COP à Jean-Paul, très bel hommage en tout cas. On critique souvent le COP à domicile, les supporters, mais là franchement les gars ils sont chauds et là ça fait plaisir. Aïe 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 aïe, la barre transversale, ça fait mal ça. Les gars, je suis un chat noir. 23 minutes de jeu, 2-0, but de Bellegui. Franchement, bien joué à Brest, mais ça craint. Marie-Pan Le Goth. Attention la VAR, attention la VAR, qu'est-ce que ça va donner? Les amis, bien vu dans les loges de Monaco, c'est juste magnifique. Deux.
Là, ils sont chauds, là. Là, ils sont chauds. Belle victoire, 4-2, il y a eu du but. Et je vous rappelle ce rendez-vous important, mercredi matin à 10h ici, c'est la fête ici au premier lieu. Victoire 4-2 pour Monaco, deuxième place au championnat. Et rendez-vous samedi prochain ici, au stade de sur les grands géants, le samedi 21 mai, à la TNR pour suivre. Ensemble, tous ensemble, derrière les rouges et blancs. Et je vous rappelle que les joueurs vont nous offrir les ballons de la victoire. Bravo, bravo au stade, bravo à tous les supporters, bravo à vous, les spectateurs du samedi, qui nous allons. Voilà les amis, on est dimanche matin, lendemain de match. Je vous avoue, on s'est couché un peu tard. Franchement, première expérience au Lido, c'était vraiment génial. Vraiment très très top. 4-2, incroyable. Je vous avoue que sur le deuxième but, je m'en sentais très très mal. Je pensais vraiment que l'AS Monaco, j'étais le chat noir, quoi, le chat noir du stade. 2-0, les supporters de Brest, ils étaient en feu. Ils sont venus vraiment très présents. Big up à eux s'il y a des supporters brestois qui regardent cette vidéo. Mais vraiment, ouais, très 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 présents durant cette rencontre. Coup de cœur les gars, le coup de cœur du match, forcément, Ben Yedder, triplé, Tchouaméni au milieu de terrain, peut-être pour le dernier match à domicile, enfin sûrement pour le dernier match à domicile. Régalade, vraiment, je suis très content de l'avoir vu au moins une fois à Louis II, et surtout pour la dernière fois. Fofana aussi, Fofana j'ai beaucoup aimé au milieu de terrain. Un peu moins bien, j'aurais dit. Quand même Van Dersen dans le stade les gars, c'était quelque chose. Je pensais pas que même dans l'éloge du Louis II, franchement, on pouvait entendre des choses un peu comme les stades en district, et ça c'était trop drôle. Et j'ai vraiment kiffé ça, cette ambiance là, parce que franchement je me suis senti vraiment bien, vraiment à l'aise, et c'était exceptionnel. Van Dersen, ouais, dans le stade c'était pas trop, voilà, c'était pas trop ça aujourd'hui, enfin hier. C'était pas trop ça, beaucoup de gens le critiquaient un peu, notamment Gelson Martins aussi. Gelson Martins, il perd tous les ballons, et ça, franchement, ça s'est ressenti aussi dans la bouche des supporters. Enfin voilà, franchement, très très bonne expérience. J'ai vraiment pris énormément de plaisir. Encore merci à l'AS Monaco d'avoir pu me faire ce cadeau-là, pardon, vraiment exceptionnel à mes yeux. C'était l'un des plus beaux soirs de ma vie. Franchement, c'était excellent. J'ai vibré tout au long. Monaco est deuxième, maintenant direction Lens. Je croise les doigts, les gars, pour le match contre Lens, pour une petite victoire, avec toute la sympathie aussi que j'ai pour les supporters lensois, puisque c'est un très beau club et je leur souhaite aussi l'Europe. Mais voilà, malheureusement, nous, on a besoin de la Ligue des Champions, les amis lensois. Donc voilà.
Voilà les gars, je conclue cette vidéo. Je reste encore une journée sur Nice, on va profiter un petit peu. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus les gars. J'espère que ce vlog, vraiment, il vous aura plu. C'était le premier de la chaîne YouTube. Les premiers commentaires, donc voilà, vous serez les premiers à inaugurer le vlogging par Monaco 76. N'hésitez pas à mettre le pouce, vraiment le petit pouce, le petit commentaire pour le soutien, ça fait vraiment très plaisir. Merci encore à l'AS Monaco, merci à tous ceux qui me suivent. C'est grâce à vous les gars, c'est pour ça que j'ai acheté cette caméra là aussi, c'est grâce à vous pour vous faire partager mon pur kiff. Parce que c'est vraiment grâce à Sora et grâce à vous. N'oubliez pas les amis, Sora ça reste un jeu, il faut prendre du plaisir avant tout. J'ai quand même gagné les gars une petite T2 grâce à mon équipe Sora, je tenais aussi à la préciser. Là, petite T3 voilà qui vaut 4-5 euros, mais bon le plaisir est là. 354 points pour mon équipe, ça reste correct. Les gars, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et franchement kiffez la vie. Salut.